Le 18, donc présenté par Karen Bentley, ici en l'occurrence avec l'aide de l'équipe du Rat des Châtaigniers. Ah, une fille de Yumzen, c'est bien ça, Yumzen. Avec la mère par Deportivo, une pouliche qui avait été conçue à l'époque où Deportivo faisait son début de carrière en Angleterre comme étalon de sprint et de vitesse. Et d'ailleurs, on trouve beaucoup de ce physique dans Zeni Diva, qui en somme comme deux gouttes à son grand-père. Voilà, avec un véritable taureau. La mère donc, et c'est la souche de Kirona, gagnante de Liston, grande souche de plat, de vitesse, avec Yumzen, père de Sitalini, gagnant de groupe 1, Chuchu, et qui a fait aussi quelques sauteurs. Yumzen, un très bon étalon du Radicanet. Concernant le numéro 1 des mâles, le 40 est un fils de Kironato, dont on a parlé tout à l'heure, ce fils de Sin Kyong qui a peu saillé mais fort bien produit avec un très très joli poulain ici. Né le 1er mai, qu'on va faire marcher. Il se présente super bien. La mère est par Blushing Flame. C'est pareil, Blushing Flame, c'est un cheval qui était mort assez jeune. Non, il avait perdu sa fertilité. Blushing Flame, assez jeune. Et c'est la souche de Alcon Gené Lardet.